Smith a débuté le match et la semaine de relâche. Plusieurs jeunes dans l'amphithéâtre ce soir. Bon match, tout le monde. Le centre s'installe. Gagné par Victoriaville au point d'appui Yacenza. Sur sa droite à Pellerin. Tir frappé, le but! Le tir de Pellerin a battu Fillion par-dessus l'épaule droite. En avantage numérique, les Tigres créent l'égalité, c'est 1-1. Une bonne frappe du capitaine Pellerin. Sur le 21e tir au but, les Tigres réussissent à créer l'égalité. 1-2 en avantage numérique. Le marqué avec 15 minutes 20. À faire en deuxième période, un tir frappé. Lebel au centre, 2-1. Lebel et Cloutier pour les remparts. Lebel, le tir, arrête d'Aigle. Un bel arrêt avec la jambière droite. Lebel reprend, passe devant Agostino. Bel arrêt de d'Aigle encore une fois. Warren à la rose. S'amène en zone ennemie sur la droite, pousse plus loin pour lui-même. Derrière le filet, Yalasti s'interpose. La passe dans l'enclave, le tir est de but. Et Gorgoryunov redirige la passe de Prichepov. Derrière Vincent Fillion et les Tigres prennent les devants une première fois dans le match. Nikita Prichepov est un habile passeur. Il a récupéré la rondelle derrière la ligne des buts. Il a ramené le disque devant le filet directement sur la lame de bâton. Degorgoryunov est de cette façon. Les Tigres prennent les devants une première fois. C'est 2-1 Victoriaville. Un bon tir sur réception de Goryunov. Prichepov habilement a ramené la rondelle vers le devant du filet. Les enjeux gagnés par Victoriaville. Au retour et le but. Justin Gendron tire vif. Balle gardien Fillion et les Tigres mènent maintenant 3-1. Ça s'est fait vite dès la mise en jeu. Gendron récupère la rondelle et il dégaine pour battre. La passe à Larose du centre de la glace projette la rondelle dans le territoire des remparts. Et derrière le but, Michaud reprend pour les remparts. Passe interceptée de derrière le but. Lavigne ramène la rondelle devant et c'est le but. 4-1 les Tigres avec 4-0-5 à jouer. Maël Lavigne dans un filet désert porte la marque 4-1 Victoriaville. Michaud a perdu le disque derrière le filet. Je gagnais par les remparts. Michaud, le long de la ligne bleue sur sa droite. À Tomov, fin de tir pour Bellin. Bellin regarde ses options. Le long de la ligne bleue pour Tomov. Tomov tire des poignets à sa dévie. Bel arrêt d'Aigle au dépens d'Agostino. Retour de but! Je pense que c'est Nathan Quinn qui sera crédité du filet. En avantage numérique, les remparts réduisent la marque à 4-2. Avec 1-23 à jouer. 1-3 en avantage numérique, les remparts dans le match. Sur un retour de lancer, Nathan Quinn marque son 5e de la saison. 4-2 au pointage. Vient saisir le disque. Antoine Michaud passe sur sa gauche à Tomov. Tomov passe qu'il est sur un patin. C'est repris par les Tigres. Larose, le tir et le but. Un deuxième but dans un filet désert pour les Tigres et c'est 5-2 la marque. Avec 31,6 secondes à jouer. Là, c'est vrai, ça scelle l'issue de la rencontre. Justin Larose marque. 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Les Tigres l'emportent. Ce soir, au centre Vidéotron, par la marque de 5-2.